Avec plus de 70 remontées mécaniques à la pointe de la technologie, Grand Valira propose le plus grand domaine skiable du sud de l'Europe et de l'Andorre. Les premières installations de transport guidé sont apparues au début des années 1930, notamment avec le chemin de fer à crémaillère du Mont-en-Vert à Chamonix. Ce n'est qu'avec le développement du tourisme en montagne et l'essor des stations de ski à partir des années 1960 que les remontées mécaniques telles que nous les connaissons se sont développées. Au fil du temps, les installations sont devenues de plus en plus confortables et modernes, à l'image des télésièges débrayables ou encore du Funicamp de Grand Valira. Chaque remontée mécanique est unique, répond aux critères de l'exploitant et s'adapte parfaitement au terrain sur lequel elle est implantée. Les installations utilisent principalement deux technologies, les pinces fixes et les pinces débrayables. Ces dernières ont la capacité de se désolidariser du câble dans les gares, permettant ainsi un embarquement et un débarquement plus confortables. L'histoire du domaine de Grand Valira remonte en 1956. Francesc Viladomat, un célèbre champion de ski, décide d'implanter le premier téléski de la station au sommet du col Blanc, sur le secteur du Pas de la Case. Celui-ci fonctionnait grâce à un moteur de camion et permettait de transporter jusqu'à 450 skieurs par heure. Année après année, ce visionnaire implantait de nouvelles remontées mécaniques. Depuis, le domaine s'est agrandi et rassemble depuis 2003 les secteurs du Pas de la Case, Gros Roche, Perretol, Soldeu, El Tarter, Canillo et Encamp. Grâce au regroupement, Grand Valira propose 210 km de pistes réparties entre 1710 mètres et 2640 mètres d'altitude et transporte jusqu'à 110 000 skieurs par heure. Depuis la fusion, la station s'améliore chaque année pour proposer une offre 4 saisons et des remontées mécaniques toujours plus performantes. Le terme téléski regroupe principalement trois catégories d'appareils, les téléskis fixes, les téléskis débrayables et les téléskis à enrouleur. Ces derniers sont les plus utilisés en Andorre. Plus confortables que les autres types de téléskis, les enrouleurs sont aujourd'hui utilisés pour l'aménagement d'espaces débutants, de nouvelles zones de ski ou en remplacement d'anciennes installations. Les agrès sont reliés au câble par une pince fixe. Ils gardent donc toujours la même position sur le câble. La pince est reliée à un enrouleur dans lequel se trouve une corde dont la longueur varie de 5 à 10 mètres selon les constructeurs. Ainsi, ce type d'appareil est parfaitement adapté au terrain irrégulier lorsque la pente n'est pas constante. L'enrouleur permet d'adapter la longueur de corde et ainsi de conférer plus de confort aux passagers qui ressentent beaucoup moins les irrégularités du terrain, ce qui est également très apprécié par les débutants. Le débit de ce type de remontée mécanique peut atteindre les 1200 personnes par heure pour une vitesse en ligne jusqu'à 3,5 mètres seconde, soit environ 12 km par heure. Les téléskis à enrouleurs sont adaptés à tout type d'utilisateur, qu'ils soient à ski, mais également en snow. Ils sont également adaptés aux débutants car ils s'adaptent à leur taille et sont très doux au démarrage. Si on compare avec les anciens téléskis où on avait un stockage de perches dans la glissière, le système est beaucoup plus simple. Le matin aussi, pour les mises en route, on n'a aucun problème de gel, de choses comme ça. En fait, c'est beaucoup plus simple à maintenir. Ces téléskis aussi sont assez souples et ne donnent pas d'à-coups au départ. On peut les installer sur quelconque partie du domaine skiable, sur les zones débutantes comme sur les parties plus difficiles. Dans la plupart des cas, les téléskis à enrouleur disposent en aval d'une gare motrice tension qui abrite le moteur et le réducteur de l'installation, mais également le vérin hydraulique qui permet de tendre le câble. La plupart des gares motrices de téléskis sont compactes, c'est-à-dire qu'elles nécessitent peu d'espace au sol, ce qui est très pratique dans les espaces débutants ou des zones réduites. Depuis quelques années, les tapis roulants démontrent leurs points forts dans les stations de ski, notamment dans les espaces débutants ou encore pour assurer des liaisons entre différents secteurs. Avec un débit élevé, les tapis roulants sont une nouvelle alternative au transport de skieurs, mais peuvent aussi transporter des luges, des VTT ou des piétons. La grande majorité des installations sont équipées de galeries de protection,
permettant ainsi une meilleure disponibilité et une protection contre les intempéries, ce qui est très apprécié par les débutants. Contrairement aux télésièges débrayables, les pinces des télésièges fixes ne permettent pas de réduire la vitesse en gare, ce qui signifie que les sièges gardent la même vitesse en ligne et lors de l'embarquement. La plupart des télésièges fixes ont une vitesse de 2,3 mètres secondes, mais elle peut atteindre les 2,8 mètres secondes si l'appareil dispose d'un tapis accélérateur en gare aval. Les gares sont un élément essentiel. Elles assurent la tension et l'entraînement du câble et permettent aux skieurs d'embarquer et de débarquer. Sur les télésièges fixes, on trouve souvent des gares motrices tension qui, comme leur nom l'indique, permettent d'entraîner le câble et d'effectuer la tension de la ligne. Afin de diminuer l'emprise au sol et de minimiser l'impact visuel de la remontée mécanique, les constructeurs proposent des gares compactes qui reposent sur un seul pylône ou un massif béton. On parle alors de gares monofus. Les gares motrices tension sont composées d'une poulie motrice dont le diamètre varie en fonction de la capacité des sièges, d'un vérin hydraulique pour la tension, d'un moteur principal et d'un moteur de secours, ainsi que d'autres éléments comme des capteurs, passerelles de maintenance. La ligne est l'ensemble des équipements qui se situent entre les deux gares. Elle regroupe ainsi les sièges, les câbles et les pylônes. Ces derniers constituent la partie visible de l'appareil et permettent de soutenir le câble. Ils sont constitués de trois principaux éléments, le massif béton qui est enterré, le fût du pylône et la tête au sommet. Tandis que le massif béton assure la stabilité du pylône, la tête supporte les balanciers qui peuvent être compression, support ou support compression suivant le profil du terrain. On trouve souvent des balanciers compression en sortie de gare aval afin d'éviter que le câble remonte. Les pylônes support, quant à eux, permettent de supporter le câble et d'éviter que la ligne touche le sol. Les pylônes support compression réunissent ces deux fonctions, notamment lorsque le profil du terrain est assez rectiligne et à faible pente. Enfin, la gare retour permet d'assurer le renvoi du câble vers la gare motrice si cette dernière n'assure pas la tension de la ligne. La gare retour est dite retour tension. À noter que la gare retour ne se situe pas toujours en amont. Suivant les contraintes de l'appareil, elle peut se trouver à l'embarquement. Confortable, rapide et performant, voici trois mots qui résument parfaitement les points forts des télésièges débrayables, au point que chaque été, de nouveaux télésièges sont construits en remplacement d'anciennes installations ou pour créer de nouveaux espaces. Le début des télésièges débrayables remonte dans les années 80. Il faudra attendre les années 1990 avant que les TSD6 apparaissent. Contrairement aux télésièges fixes, les télésièges débrayables, également appelés TSD, disposent de pinces qui permettent au siège de ralentir en gare. Cette technologie est assez complexe et coûteuse. En moyenne, un TSD coûte 6 millions d'euros. Cependant, les débrayables sont beaucoup implantés car ils correspondent aujourd'hui aux attentes des clients en matière de confort. Le principe de fonctionnement est le suivant. Les sièges circulent à 5 ou 6 mètres par seconde en ligne et à leur arrivée en gare, une rampe de débrayage permet de faire pression sur les ressorts qui ouvrent la pince. Le siège est alors libre et peut ralentir grâce à des pneus qui le font avancer à vitesse réduite. L'embarquement est ainsi réalisé à petite vitesse afin de conférer plus de confort aux passagers. La principale différence entre les véhicules, c'est qu'en fait, comme son nom l'indique sur un télésiège fixe, la pince reste fixe au câble, qu'elle soit en gare ou en ligne. Tandis que sur un télésiège débrayable, la pince s'accouple et se désaccouple du câble. Donc le véhicule arrive fixé au câble. En général, on a une vitesse d'exploitation, on va dire entre 4 et 6 mètres secondes. Pour idée, là, l'embarquement ou désembarquement doit être à environ 1 mètre seconde de vitesse pour les véhicules. Alors que sur un télésiège fixe, on peut être à 2 mètres, voire 2 mètres 30. C'est beaucoup plus confortable pour le client du fait de cette réduction de vitesse. La diferencia entre un pinza fijo y un telesilla desembragable está en las estaciones. Que el pinza fijo, el cable, en todo momento está sujeto al cable y en el desembragable tiene un mecanismo que desacopla la pinza del cable variando la velocidad del,
de la silla. D'un point de vue débit, les TSD proposent des capacités supérieures aux télésièges fixes, avec des débits maximum de 4000 voire 4500 personnes transportées par heure. Le temps de trajet est également un atout de taille pour les télésièges débrayables. Ils vont 2 à 3 fois plus vite que des fixes. Les skieurs sont ainsi beaucoup plus vite au sommet. La particularité de ce type d'appareil est due aux pinces débrayables qui équipent chaque siège. On distingue deux types de pinces débrayables, les pinces classiques à serrage direct et les pinces à deux positions. Les pinces à serrage direct sont composées de deux ressorts qui permettent au mort de serrer le câble. Ces ressorts sont comprimés en gare afin d'ouvrir le mort et de lâcher le câble. Les pinces à deux positions, quant à elles, peuvent rester en position ouverte, notamment en gare. Ceci permet de limiter le nombre d'ouvertures et de fermetures afin d'éviter l'usure des composants. Les gares diffèrent des télésièges fixes car il faut pouvoir désolidariser les pinces et assurer l'entraînement des sièges dans le contour de gare pour le débarquement ou l'embarquement. Un système de lanceurs et de ralentisseurs composé de pneus est entraîné par le câble grâce à une prise de mouvement. Ainsi, ce système est directement synchronisé avec le reste de l'installation. Il est possible d'équiper certains télésièges par des gares intermédiaires afin de faire descendre ou d'embarquer des passagers en cours de route. Qu'ils soient chauffants, à bulles ou étudiés pour résister au vent, les sièges permettent de transporter les skieurs. D'un point de vue structurel, les sièges sont composés d'un arceau qui est relié au câble par l'intermédiaire de la suspente et de la pince. L'arceau est équipé de dossiers et d'assises sur lesquelles les passagers s'assoient. Afin que les passagers ne puissent pas tomber du siège, un garde-corps est obligatoire sur chaque véhicule. Il s'agit d'une barre métallique que le skieur baisse afin de se sécuriser. Les exploitants du domaine de Grand Valira choisissent régulièrement des gares à couverture basse, à l'image des gares compactes de télésièges fixes. Elles permettent de limiter l'impact visuel des gares, mais le travail de maintenance est un peu moins agréable. Ce type de gare n'effectue en général que le retour ou la tension, car les moteurs doivent être protégés des intempéries. La station accorde une place importante aux investissements et aux nouvelles installations. Chaque saison, de nouvelles remontées mécaniques sont construites afin de moderniser le parc et d'améliorer le débit, afin de diminuer les files d'attente. Nous avons cette année fait plusieurs investissements dans le rallongement de cet appareil que vous avez juste à côté. Là, on l'a descendu de 700 mètres en dessous de son point initial. Associé à ce télésiège, il y a donc les pistes et trois enrouleurs. Autour, nous avons créé des différentes pistes, donc les pistes Valira, la piste qui sont autour du secteur de Pérétol. Donc Pérétol, jusqu'à présent, c'était un secteur qui était principalement sur le freestyle, donc avec des sauts, avec un ski nocturne. Et maintenant, donc, on a décidé que ce soit une nouvelle entrée. Donc, ça veut dire que depuis là, on peut rentrer sur Grand Valira. Les télécabines fonctionnent sur le même principe que les télésièges débrayables. Les véhicules vont à faible vitesse en gare et accélèrent sur la ligne, où la vitesse atteint souvent 6 mètres par seconde. La différence avec les télésièges est que le skieur doit déchausser les skis, ce qui est un peu moins pratique. Cependant, les vitres protègent les passagers des intempéries et du froid, ce qui est très apprécié par les enfants. L'origine des télécabines remonte aux années 50, avec notamment l'apparition de cabines de place. Au fil du temps, leur capacité a augmenté jusqu'à des véhicules de 16 places. Aujourd'hui, ces cabines ont bien évolué. Elles sont désormais design, modernes et confortables. Sur la ligne, il y a moins de véhicules que sur un télésiège débrayable. En effet, la vitesse des cabines en gare est bien inférieure à un TSD pour permettre l'embarquement et le débarquement sans accroc. Ceci implique qu'il y a plus de véhicules en gare à un instant T comparé à un télésiège. Élément essentiel d'une remontée mécanique, le moteur est la partie centrale de l'installation. Il permet de mettre en mouvement le câble et par conséquent les cabines. En règle générale, les remontées mécaniques utilisent des moteurs à courant continu dont la puissance varie en fonction du relief. En moyenne, les moteurs ont une puissance comprise entre 300 et 800 kWh. Le moteur est alimenté par le réseau électrique. On distingue sur la plupart des remontées mécaniques le moteur, un arbre de transmission, puis le réducteur qui permet de réduire la vitesse et d'augmenter le couple. De plus en plus d'appareils neufs sont équipés de moteurs à entraînement direct qui permettent de réduire le nombre de pièces en mouvement
et par conséquent, les opérations de maintenance. De plus, ce type de moteur consomme moins et est moins bruyant. Les remontées mécaniques sont équipées de nombreux capteurs permettant d'assurer la sécurité de l'appareil et de ses passagers. On trouve ainsi des portillons, capteurs de positionnement du câble, afin de faire des remontées mécaniques l'un des moyens de transport les plus sûrs. Moyen de transport par câble complexe, le Funitel séduit par sa grande résistance au vent. En effet, grâce à ses deux câbles porteurs et tracteurs, il s'agit d'une remontée mécanique imposante et à grand débit. Également appelé double monocâble à attache débrayable, les Funitel se différencient des installations classiques de par les deux câbles porteurs-tracteurs. La grande difficulté est alors de synchroniser parfaitement ces deux câbles. Une mauvaise synchronisation pourrait alors entraîner les cabines de travers et causer des dommages en gare. Du côté de la capacité des véhicules, les cabines disposent de 20 à 35 places, ce qui en fait un moyen de transport relativement efficace avec un débit pouvant atteindre plus de 3500 personnes par heure. Le Funitel Funicamp permet de relier la ville d'Encamp au domaine skiable de Grand Valira. Doté d'une capacité de 24 places par cabine, sa longueur est de 6137 mètres, divisé en deux tronçons. C'est un appareil qui peut rouler jusqu'à 7 mètres 20 secondes. C'est un appareil très fiable, mécaniquement parlant. C'est un appareil qui tient bien pour le vent. C'est un appareil qui est fait avec deux sections. On a deux sections de câbles. On a pratiquement 10 km de câbles au total. Les gares des doubles monocâbles à attache débrayable sont en général assez imposantes, notamment car il faut entraîner deux câbles, ce qui nécessite une machinerie complexe. Tout comme sur les télécabines ou télésièges débrayables, le Funicamp est équipé de pinces débrayables. Les lanceurs et ralentisseurs permettent aux véhicules de ralentir et d'accélérer en gare, afin de permettre un embarquement et un débarquement à vitesse réduite. Étant donné que chaque véhicule dispose de quatre pinces, deux de chaque côté de la cabine, on trouve deux rampes de débrayage pour chaque voie en gare. Sur les Funitel, les pylônes sont plus imposants que sur les installations classiques, notamment car il faut soutenir quatre câbles. Il est alors nécessaire de positionner plus de balanciers par pylône. Le conducteur de remontée mécanique doit s'assurer du bon fonctionnement de l'installation en contrôlant chaque matin les différents organes de l'appareil. Pendant la journée, il faut s'assurer de son bon fonctionnement. Chaque jour, le conducteur aide les vacanciers, les accueille et les conseille si besoin. Pendant l'exploitation, il doit gérer la maladresse des skieurs et les pannes pour réduire au maximum le temps d'arrêt de l'installation et ainsi éviter les files d'attente. Pour gérer l'équipe de conducteurs de remontée mécanique, les stations peuvent compter sur des directeurs ou chefs d'exploitation. Leur rôle, assurer la cohésion des services et veiller au respect de la réglementation pour garantir l'ouverture de l'ensemble des remontées mécaniques. Pour pallier à d'éventuelles pannes, des mécaniciens entretiennent les installations et les dépannent pendant l'exploitation en cas de problème. Le câble étant entraîné par de puissants moteurs, dans les gares, la machinerie nécessite un entretien minutieux. La remontée mécanique aujourd'hui, son développement est beaucoup axé sur le confort et le design, puisqu'on a de plus en plus de gares qui deviennent esthétiques et les véhicules deviennent de plus en plus confortables pour les clients, donc avec des bulles de protection, des sièges chauffants ou encore des sièges baquets qui se développent beaucoup. Enfin, le futur vraiment de la remontée mécanique, c'est sur le transport par câble en milieu urbain, puisqu'aujourd'hui, les remontées mécaniques s'implantent petit à petit dans les villes et pour s'intégrer dans le réseau de transport en commun qui existe déjà. Équipement essentiel à la réussite des domaines skiables, les remontées mécaniques ont permis l'essor du tourisme à la montagne et bien évidemment de la pratique du ski. Aujourd'hui, il serait impensable de remonter à pied les pistes, les skieurs s'habituent à de plus en plus de confort.
On assiste aujourd'hui à une montée en gamme des remontées mécaniques, notamment avec la généralisation sur de nombreux appareils de sièges chauffants, bulles de protection. Dans les années à venir, il faudra continuer d'axer les recherches sur le respect de l'environnement afin de préserver la montagne et de conserver cette nature splendide. Le transport par câble a également un futur prometteur dans le secteur urbain où de nombreux défis nous attendent.